Toujours beaucoup plus confortable psychologiquement d'avoir pris des points, ça redonne de la confiance hein, à tout le monde. Et quand j'ai dit tout le monde, c'est joueurs, staff, le club, les supporters. C'est important pour la motivation. Quand tu enchaînes des contenus intéressants mais que les résultats ne sont pas au bout, ça use, ça entame la motivation au bout d'un moment. Donc il était important d'être récompensé, alors certes avec un peu de réussite, hein, mais c'est une réussite que l'on va chercher quand même depuis un certain temps. Donc effectivement, ça a permis d'avoir une semaine beaucoup plus détendue hein, et studieuse, parce qu'on avait un match à préparer. On joue un grand club français, un club populaire, la Saint-Étienne, donc c'est forcément un match fantastique à préparer, et c'est sûr que c'était mieux de le préparer quand même avec 8 points. C'est un vrai bon test, alors on va voir aussi comment ça se joue, hein, c'est l'interrogation. On s'est rendu compte que jusqu'à maintenant, nos difficultés à domicile sont incontestables, on ne peut pas les nier, en tout cas en termes de résultats, parce que les contenus ont parfois été bons, je pense à Rennes et à Toulouse, parfois moins bons, Nantes et Montpellier. Là, on joue une équipe très ambitieuse. Je suppose que quand on est la Saint-Étienne et qu'on se déplace à Troyes, on vient pour gagner, pour prendre les choses en main. Donc, à nous de voir comment nous sommes capables, dans cette situation-là à domicile, de nous comporter. Hein, donc, il est évident que, bon, sur le papier, au départ, il y a un grand favori, c'est la SSE, mais nous, on va, avec nos arguments, avec notre état d'esprit, avec notre mentalité, j'espère aussi avec l'appui de nos supporters, ce serait bien quand même qu'on soit soutenu, encouragé. On va essayer de d'accrocher quelque chose et de faire, pourquoi pas, un petit exploit, mais... la victoire à Metz peut nous donner une dynamique supplémentaire pour aller chercher une grosse performance.